liberté complète du peuple, la démocratie complète, avec le retour des fondamentaux, les retours de l'amour, de l'honneur et du respect, ce que n'ont plus vos anciens. Vos anciens, ils ont la retraite, ils ont leur propriété, ils ont leur compte en banque, ils en ont rien à foutre de vous. Et ça, je sais, nous le savons depuis 4 ans et demi. Seuls vous, les jeunes, pouvez sortir de ce carcan qui est le système pourri qu'on nous a enfermé. Lundi matin, il faudra être dehors. Merci beaucoup. On a des choses à dire. Pour la dernière fois, on a des choses à vous dire. On attend qu'une seule chose, et depuis des mois, nous le disons, le réveil des corps constituants, le réveil de la police, le réveil de la gendarmerie et le réveil de l'armée. Sans eux, nous ferons rien. Pourquoi? Parce que sans police, il n'y a pas de loi. Et sans loi, il n'y a pas de police. Alors on leur a donné quoi pour éviter justement qu'ils ne pensent? On leur a donné un devoir de réserve. Sachez que ce devoir de réserve n'existe pas dans la déontologie de la police. Elle n'existe pas dans la déontologie de la gendarmerie. Les politiques ont fait en sorte de maquiller tout cela, ce qui vous permet en fin de compte d'être complètement abandonné. Réfléchissez, prenez le temps d'écouter, parce que c'est la dernière fois qu'on va être dehors pour vous dire la vérité. Parce que si vous ne comprenez pas, je suis désolé, les coupables des prochaines générations, les coupables du désastre, ce seront vous, les parents. Merci beaucoup.